Eh bien salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et cette fois-ci sur du Division. Donc on va partir un peu en exploration. J'espère que tout est bon. La qualité n'est pas au top puisque ma carte graphique n'est pas assez puissante, j'ai une GTX 750. Du coup voilà, c'est en basse résolution, mais c'est plutôt beau. J'espère que ça se verra bien à l'écran. Du coup on va partir un peu en exploration. Tester un peu donc on est le 31, donc la bêta se finit aujourd'hui. Le jeu est vraiment très très sympa, on va en parler petit à petit. Donc on va se retrouver pour une mission, à tout de suite. Donc on repart, désolé, j'étais en train de tester pour voir si l'image était belle, donc c'est plutôt bon. J'espère qu'on m'entendra bien par contre. Je vais juste baisser un peu le son. Donc je vais vous montrer un peu l'inventaire, mes armes, mes objets. Alors attendez, musique, dialogue, on s'en va de l'ombre, on a besoin. Volume de proximité un peu baissé. Micro activé. Sensible. Oh, allo, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. C'est plutôt bon. Hop. Oui. Je sais pas du tout c'est quoi la touche pour parler, mais bon, c'est pas grave. On va essayer ça comme ça. Et du coup, je vais vous montrer mes armes. Donc, mon inventaire, donc j'ai 35 sur 35. Ça, c'est les armes. Comment je peux appeler ça? Les armes radioactives, donc j'en ai pas sur, quand vous allez en Death Zone, donc on en fera ça vers la fin, je vous montrerai un peu. Pour l'instant j'ai eu qu'une arme en Death Zone, tout ça c'est un peu dur, donc je vous montrerai ça un peu plus tard. J'ai eu celle-là, donc il y a les armes que j'ai, Scar militaire, donc là ce sont les dégâts, balles par minute, donc la vitesse des balles tirées à la minute, donc 275, et un chargeur de 20 balles, où est le recul, portée, donc, je vous laisse voir. Donc ça c'est ce que j'ai ajouté, un chargeur à libération rapide, prendra chargement plus 4% et 3% pour probabilité de tir critique. Donc niveau 6, je suis niveau 8 je crois. Carabine. Cette arme est vraiment très 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 très, très bonne. J'aime bien jouer avec cette arme, voilà. Petite lunette. C'est vraiment très très belle. Le jeu est vraiment beau, moins beau que sur le trailer de l'E3 qu'on avait pu voir en 2015. Mais le jeu reste beau. Moi je suis en basse résolution, donc forcément c'est un peu moins beau, mais vous voyez quand même que même en résolution basse, c'est plutôt beau. Donc voilà, pour ceux qui se demandent, j'ai un i7 avec une carte graphique de GTX 750. Donc vous voyez que ça tourne plutôt bien en basse résolution. Donc, vous voyez, j'ai rajouté un visée réflexe, chargeur de libération rapide, poignée. Petite poignée, et attendez, normalement, moi j'ai ça, ouais non, ouais. On va rajouter ça, hop, équiper, ouais c'est ça, ouais, viseur c'est bon, j'ai pas de, si on suit pas, on peut même les personnaliser, donc ouais, c'est plutôt pas mal tout ce qu'on a. J'utilise le Magnum pour l'instant parce que c'est plutôt pas mal. Et les dégâts que ça fait, 488, mais que 6 balles, et 247 pour 15 balles. Je verrai bien par la suite. Pourquoi l'armure, la santé 2250, DPS secondaire 2450, donc c'est l'arme à feu, puissance de la compétence 710. Donc personnage niveau, ouais, niveau 7 en normal, en solo, et niveau 8 en dark zone. Je dis death zone, c'est pas du tout ça, c'est en dark zone. Bon, les attributs, on pourra pas tout faire puisque c'est juste la bêta. On peut aussi changer l'apparence, vous voyez, les bonnets. C'est ici les bonnets. Je vais essayer ça. J'aimais bien les vestes, j'en ai pas mal. Bon, ça c'est plutôt pas mal. Et les pantalons. Ouais. Quoi, c'est celui-là, j'aime bien. C'est tout ce qu'on a pour l'instant. Capacité. Moi j'ai pris médical et technique. Sécurité, mais bon. Pour l'instant, j'en ai pas besoin vu que c'est la fin de la bêta du coup. Je suis juste là pour m'amuser, pas me prendre la tête.
ravitaillement médical 560. Donc ça, on ira voir un peu plus tard. Donc, des petites missions, je vais vous montrer la carte. La carte est vraiment très, très belle, je trouve. C'est vraiment sympa. Donc, oui. Bon, ça, je pense que c'est juste pour la bêta, mais la carte sera beaucoup plus grande, je pense. J'ai vraiment qu'il sorte parce qu'il est vraiment bon. Et je vais me prendre, c'est sûr et certain. Donc, vous voyez les missions. Non, on avait une mission là, je l'ai déjà faite. J'avais déjà enregistré pas mal de gameplay, mais l'image était dégueulasse. Donc, on va aller là. Hop, c'est parti. On a une petite tempête là. Donc, mes FPS vont baisser. Hein. Vous avez... Tu as 38 FPS. Alors que normalement, il pourrait être revenu à 60. Avec une meilleure carte graphique. Donc j'espère que vous ça va, j'espère que vous avez pu tester la bêta sur Play ou sur PC. Oula, attendez, je vais vous montrer. Voilà. Lève-toi mon ami. Boom! Headshot, bitch! Donc la carabine est vraiment bonne, j'aime bien jouer avec la carabine. Franchement, le jeu est vraiment bon. Petit survie apocalypse. J'ai vraiment hâte d'avoir le jeu final. Pour l'instant, j'aime. Je suis moins fan de la Dark Zone. Voilà. Tout seul, c'est pas marrant. J'ai des amis qui n'ont pas eu la bêta, du coup. Je vais jouer tout seul, mais entre amis, c'est vraiment fun. J'espère que le jeu va durer longtemps parce que bon, ça peut être assez rengaine à force. Et pas trop fort. Oula. Oui, l'ambiance est vraiment bonne. On va se mettre ici. Donc quand vous appuyez sur la molette du milieu, vous voyez que mise en laser, il y a un petit point rouge. Qui aide pas mal à la visée. Un truc, je sais pas où il est. Vous savez quoi? À la Chuck Norris, les amis. Au petit magnum. Et vous appuyez sur la molette du milieu et ça met un petit coup. Alors là, j'ai galéré dans la Dark Zone. Je me suis fait avoir aussi avec ça. Quand vous tuez un ennemi, vous devez appuyer voilà, là, pour l'abattre. Et moi, j'ai pas compris au début. Du coup, je me suis fait carotte pas mal d'armes. Et vous pouvez aussi, vous voyez, tout en haut de la map, là, le petit truc violet, donc ça vous aide, ça vous donne parfois des armes, des pièces d'armes, des munitions, des kits de secours. Donc pas mal de choses, donc vous voyez, ça brille. Donc là, j'ai plus assez de place, mais c'était des soins. Donc ça vous aide pas mal, donc j'ai vraiment hâte d'avoir le solo. Vous voyez, regardez, l'ambiance est vraiment très très bonne. J'adore. Malheureusement, ça dure pas assez longtemps la bêta, donc elle se termine aujourd'hui, le 31. J'espère que vous avez pu tous y jouer, que ce soit sur PC, Xbox 360 ou PS4, parce qu'il vaut vraiment le coup, je trouve. Pour vos avis. Et ça, c'est assez cool aussi. Boum boum. Du coup... On peut aussi aider des passants qui par exemple veulent de l'eau, à manger, un kit de soins, et en échange ils peuvent vous donner des armes, des armures, des genouillères. Ah oui, c'était génial. Tout ce qu'on peut avoir, donc ça c'est l'armure, la genouillère, masque, genouillère, gants, holster et le sac. Donc ça c'est les équipements que je peux mettre encore et que j'ai déjà mis. Mais pour l'instant, je suis bien comme ça. Donc pour une bêta, il y a pas mal de choses à faire, des petites missions solo, donc c'est vraiment cool. Merci à Ubisoft d'avoir fait ça, parce que ça a duré 3 jours, il y a pas mal de choses à faire pour monter son XP. Du coup c'est pas mal, du coup là on va aller attaquer une forteresse. Non, mais c'est vraiment beau, je sais pas si on voit... Ah on voit les pans en plus, donc ça c'est génial. Vous allez voir. Oula. Par contre le son est dégueulasse, non, ça fait une sorte d'écho. Je sais pas comment ça fait. On peut pas tuer les passants non plus, tuer les chiens.
pas bien, ça va cause animal. Oui, je sais pas si elle en peut aider. Non, elle en peut pas. Faites gaffe à ce que vous faites. Mais si jamais on peut, je vous montrerai. C'est vraiment beau, hein, regardez. Même si je vais pas des FPS. J'ai vraiment que le jeu sorte. Vous voyez, il y a plusieurs niveaux. Bon, on peut pas. De 5 à 9, inexploré, mais on peut pas. Faut vraiment monter son niveau parce que si vous y allez, ça va être de plus en plus. Oula, qu'est-ce qu'ils font là? Je crois qu'ils faisaient des choses. Si vous montez pas au bon niveau, ça va vraiment être difficile si vous êtes tout seul. Vous allez vite mourir. Attention, quartier général ennemi détecté. C'est méchant. Hein. Ouais. On est vraiment dans l'ambiance, ça fait vraiment plaisir. Alors frérot. Boum. Edge à Detch. Oh non, dommage. Bon, ça il revient. Et après on ira en Dark Zone, vous allez voir. Par contre si vous mourrez en Dark Zone, tous les trucs que vous avez récupérés, vous les perdez si ça n'a pas été... Merde. Si ça n'a pas été... Je sais pas sur... Comment je peux extra... Non, pas extradier. Tu une extradition? Non. Bon, oh, si, on peut appeler ça comme ça. Si ça n'a pas été emmené par l'hélicoptère, vous perdez tout. Et des personnes vont essayer de venir vous prendre le stuff. Donc, vous avez quelques secondes. Voilà. Pour attacher tout à l'hélicoptère. Un petit temps pour tout protéger. Sinon, vous perdez. Il vous tue et récupère tout votre stuff. Donc, ce serait vraiment dommage. C'est ça qui est un petit peu chiant à force. Vous allez être un ami parce que je vais vous montrer tout à l'heure. C'est vraiment galère tout seul. Ah, c'est fini. Bon, c'est déjà fini. Ah non. Pas si. Bon, c'était vite. Bon, c'est dommage, c'est plein. Qu'est-ce qu'on avait? Ah, dommage. 488 de dégâts, donc on va aller voir. Si. Dans mes pistolets, 488. Oula. Bah, on va prendre ça tout de suite. On peut démanteler pour récupérer des pièces d'armes. Merci bien. Ou les revendre, c'est plus, ça vous fera un petit peu de sous. Voilà. 488, donc. Allez, c'est pareil. Non, non, pas du tout. Ah merde, j'ai compris. Donc c'est ça qu'on a récupéré. 251, bon, c'est plutôt pas mal. J'irai revendre tout ça, ça me fera un petit peu de crédit. La bêta est vraiment sympa, donc je voulais vous faire une petite vidéo. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire, abonnez-vous. Voilà, ça ferait vraiment plaisir. Et la carte, c'est vraiment sympa ça. Est-ce qu'on a encore des petites missions secondaires? C'est parfait, j'aime. Vous êtes un trésor. Un vrai trésor. Je sais pas comment j'ai survécu à l'hiver avant que vous arriviez. J'ai un petit quelque chose pour vous remercier. Alors venez me voir quand vous aurez un moment. Enfin. Même mes enfants ne le font pas, mais bon. Si vous avez une minute. Pas de soucis, j'arrive. Bon, c'est vraiment sympa. Bonne ambiance, le jeu est beau. Comme j'avais dit, moins beau que sur. La bêta de. Ah, PTTL. Non, même pas. Oula. Moins beau que sur la vidéo de l'E3, mais. C'était tout le temps comme ça, hein. On va mettre plein les yeux. Pour au final nous mettre une belle carotte. Mais il est déjà plus beau que Watch Dogs quand même. J'espère qu'il y aura plus de contenu et qu'il sera pas aussi pourri au final que Watch Dogs, parce que Watch Dogs, ça a été l'une des plus grandes déceptions. Ils avaient un gros potentiel et finalement, ils n'ont pas fait grand chose. J'aurais dû vous filmer avant parce qu'il y avait vraiment pas mal d'émissions à faire sympa et. Bon, j'avais pas trop le temps, mais bon. J'espère que ça vous plaira quand même. Voilà, c'est de vous battre. Il y a vraiment de la bonne personnalisation, pas mal de choses. Pas mal de choses à voir. Donc là, il y aura une grotte. Non, ça va. Là, j'ai perdu des FPS quand même.
Donc on va chercher ce qu'on doit, ce qu'elle doit nous donner. Je crois que c'est des genouillères, je crois. J'avais lu schéma de genouillères. On va en profiter pour vendre. Oula. Ah, par contre, le son est dégueulasse. Ça fait une sorte d'écho dans mes oreilles. Franchement, l'ambiance est vraiment top. Oui, extrait de la Dark Zone, vous venez ici de tout récupérer. Bon, là j'avais plus rien, j'avais qu'un objet, j'ai déjà pris, mais c'est ici qu'on vient. Et là il y a tous les joueurs ouais. Qui sont là. Un bon nom, lui. Donc, vous pouvez venir ici acheter des armes, vendre vos armes. On verra ça. Ici les bonnes affaires. Vendre. Donc c'est là qu'il vaut la plus cher, mais bon, j'ai pas envie de la vendre parce que 820 de dégâts, c'est ma plus puissante arme. Du coup, on va revendre ça. J'en ai pas vraiment besoin. Ok, F9 militaire. Ah, on en a. Ah, ouais, non, 251. Ah ouais. Non, on va revendre celle-là plutôt. Voilà. L'argent se trouve ici. Donc j'ai 1094, donc on va pouvoir acheter quelque chose. On va revendre celle-là aussi. Ça va libérer un peu de place. RPK 208. Hop, on revend celle-là. Les armures, on peut revendre celle-là. Le sac. +33, +16. Ouais, mais on n'a pas vraiment besoin de ça. Hein. Ouais, l'écho est juste horrible là, dans nos oreilles. On se regarde et on va voir ce qu'on peut acheter. Magnum, non, ça m'intéresse pas. Fusée à pompe, les dégâts sont vraiment bons, mais bon, ça c'est chaud de jouer au fusée à pompe. Oula, alors, il est plus puissant. Spécialisé. Bon, il n'y a pas grand chose. On se revoit bientôt. Pas quelque chose qui m'intéresse. On a encore un marchand ici. Qu'est-ce qu'il vend? Place. On peut mettre combien dans le sac à dos? 34. Non, pas de chair, ça sert à rien. Faudrait quelque chose qui augmente ma santé. Ah oui. Alors ça, je sais pas si ça augmente la santé ou pas. Plus 22 santé. Enfin, je sais pas. Attendez, on va voir ce que j'ai. 4 mégans. Voilà. Donc mes gants ça fait 14, ça rajouterait de l'armure, ça baisserait ça. Les holsters 13, 15 et 17. On va voir ça tout de suite. Viens voir ça avant qu'il soit trop tard. Eh, de quoi t'as envie? Il faut vraiment un truc qui augmente ma santé parce que. Ouais, on perd en puissance de feu. On peut prendre celui-là par contre. Ça augmente les deux. Donc, on va prendre ça. Merci l'ami.
Là, on va les revendre. On va les revendre. Tiens, prends ça, DP. J'ai plus de sac plastique, désolé. C'est pas grave. Voilà. Ouais, ça c'est ce qui fait baisser en fait. Et faut prendre ce qui est les flèches vertes pour augmenter un petit peu tout ce que vous avez. Donc là, j'ai augmenté un peu ma santé, donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va aller voir une des prières. On va essayer de trouver la meuf. Par contre, c'est où ? Viens. Bon, ça doit être la quête. Vous avez fait un travail. Merci bébé. Ça se voit qu'il vous entraîne bien à la division. Ah, si seulement mes enfants pouvaient être d'aussi bons citoyens. Mon petit Benny a déjà du mal à... La division, ça me rappelle la série Nick. J'ai vu cette série d'ailleurs. Membre du groupe. Est-ce qu'on a d'autres missions? On va aller voir lui. Je sais pas c'est quoi, mais. On va s'y rendre. Oh, la poignée est rouge. J'aime bien jouer avec la M4. C'est plutôt pas mal. Battez une minute, bon, je vais essayer de faire encore une petite demi-heure de vidéo. Sinon, on va finir sur ça. Je vais vous montrer la Dark Zone pour vous montrer un petit peu. Et les missions secondaires, bah, je ferai ça pour d'autres vidéos. On va essayer d'y aller. Je vais essayer de vous montrer tout ça. Donc on se retrouve dès que je suis arrivé. Donc à tout de suite. Du coup, les amis. Donc vous voyez tout ça là. Ça, Dark Zone, tout se trouve derrière. Donc on va s'y rendre. On va faire une petite partie. Et puis on se quittera là-dessus. Parce que je suis vraiment nul là sur ça. J'espère que j'ai pris un petit peu. C'est derrière. Donc on entend les petits coups de feu derrière, les bombes. Vous allez voir comment ça se passe. Donc je pense que beaucoup l'ont déjà vu, hein. Mais ça pourrait être sympa de découvrir ça ensemble. Hop là. J'ai bien hâte que je sorte le jeu définitif. Parce que j'ai hâte de faire des campagnes, ça m'a vraiment donné envie ces petites missions. La Dark Zone aussi, ouais, c'est plutôt sympa entre amis. Franchement, pour l'instant, pas déçu. Et j'espère que le jeu final sera encore mieux que la bêta. Là, parce que, en fait, c'est la bêta, il y a encore des bugs. Et du coup, même si j'en ai pas vraiment trouvé pour l'instant. Attention, risque bactériologique, zone hautement contaminée. Attends. Ah bah je vais vous montrer ça, c'est une petite mission aussi à faire. C'est plutôt sympa. Vous allez voir l'aspect. Ah là, Batman un peu. Excusez-moi, vous êtes de quel journal? Je travaille pour une radio, madame. On raconte que le gouvernement est en train de boucler la zone pour essayer de cacher quelque chose. Il y a des gens qui parlent d'une arme biologique. Attention, risque bactériologique, zone hautement contaminée. Donc là, je sais pas vraiment à quoi ça sert. Normalement. On n'a pas grand chose à faire là-dessus. Bon, c'est des personnages, mais comment c'est pas le jeu, donc ça sert à rien. On va aller dans la Dark Zone. C'est parti. Le garant sans pression. Transmission brouillée. Couverture de. Donc on ne perd pas les armes qu'on a là. Qu'on a. Avertissement. Comment je pourrais dire ça? Activé. Redémarrage du système. On a des radios activisées, je sais pas comment on pourrait dire ça. Dans la Dark Zone. Mais ça, Dark Zone, vous allez voir. Donc
nous on est gentil, donc si on tire pas sur les gens, on devient. On est simple, voilà, on est neutre. Par contre, si on tue des gens, on devient renégat. Là, tout le monde peut nous voir et tout le monde peut nous tuer. Vous allez voir, bah voilà. On est juste là. Tout le monde peut nous voir et nous tuer aussi. Donc lui il a tué pardon. On l'a pas encore. Voilà, donc ça fait 10, 2 l'XP pardon. Du coup c'est mon premier renégat que j'ai tué, donc c'est plutôt sympa. Donc vous voyez les petites touches jaunes qu'ils ont derrière eux, ce sont des objets à aller pour mettre à l'hélicoptère pour ensuite obtenir des armes si on réussit bien tout ça. Ouais, on peut les attendre là pendant qu'ils font l'envoi de la flare et ensuite on obtiendra si on avait tué l'extraction. Voilà, il envoie une flare et il va poser ses armes. Bon, ça ne sert à rien. Je vais me faire tuer. Ils sont possibles si vous voulez. Voilà, on va les aider. Il faudra que je me barre juste après parce que sinon je vais me faire tuer. Je suis en approche de votre position. Vous allez voir que des renégats vont venir et ensuite pour prendre les armes qui vont être approchées au bout de l'hélicoptère. Non, je vais pas rester, je vais me faire tuer, ça va. Je suis en approche de votre position. Voilà, moi je vais essayer quand même. Vous allez voir que beaucoup de gens vont arriver. Hélico en approche. Pour essayer de voler tout ça. Attendez, hein. Je vais essayer de me concentrer. Bon, ça c'est mieux d'être à plusieurs parce que tout seul on est vite surpassé. Hélico en approche. Début de l'extraction. Donc là il y a un mec qui arrive. Non, pas encore. Un renégat qui va arriver. Je vais me bouger parce que je vais me faire tuer ça. Ils vont devenir en rouge pour dire que ce sont des ennemis. Non, voilà. Vous voyez, il y en a qui arrive là. Extraction réussie, donc voilà, leurs armes ont été sauvées. Non, une pompe ça. Sniper. Ah, j'en ai. Bon, ça sert à rien puisqu'il n'y a pas de. L'hélico approche de votre position. On va faire un petit tour en ville. Bon, je n'ai tué un, je suis vraiment content, c'est mon premier meurtre. Enfin, mon premier kill là-dedans. Enfin, j'espère que c'est moi, ouais, c'est moi qui l'ai tué, je crois. Moi j'ai rien à extradier. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais bon. Plus ça veut dire comme ça, extradition, extradier. Extraction, ah c'est pas extradition. Vous m'aurez compris en tout cas. Alors. Je sais pas ce qu'on pourrait aller, où on pourrait aller. Bon là y a personne, mais j'ai l'air c'est une zone contaminée. Attention, les relevés indiquent donc que cette zone est contaminée. Ah, j'ai gagné des FPS. Vous quittez la zone de contamination. Donc là, il n'y a vraiment pas grand chose à faire quand personne est renégat. Et tout le monde tourner. Je récupère du loot et on est là.
Il y a des notes là. De toute façon, j'ai rien sur moi. Bon, juste au-dessus. Là. J'y vais ou j'y vais? Non, je sais pas. Allez, bon, je vais essayer. Pour vous, les amis. Si je meurs, vous devrez me laisser un petit pouce vert. Un petit pouce bleu. Je le fais pour vous. Ah, je vais me faire tuer, frère. Qui c'est qui est là-dedans aussi? What? Y'a un mec qui va arriver là, je le sens. Ah voilà, je me suis fait tuer. Bon, j'ai pas de stuff, mais bon. Si j'abandonne, je vais perdre des victimes, donc ça s'arrange. Ouais. Bon, quelqu'un, une personne. Ah, ils sont chauds à tuer. Hein. Tout ça, vous avez vu, c'est pas... c'est pas facile du tout. Du coup, j'attends de mourir. Hein. J'ai pas envie de perdre l'XP. J'ai pas de stuff. Donc ça, c'est pas des... des joueurs, hein, ce sont des bots, mais vous voyez qu'ils sont très 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 coriaces. Je sais même pas si j'y vais d'ailleurs. Je crois pas. Mais à faire en ami, c'est vraiment sympa à faire. Comme j'ai pas d'amis, les amis. Vous voulez être mon ami. Non, mais voilà. Ouais, bon, de toute façon, j'avais pas de, d'armes, donc j'avais pas d'inventaire dans la Dark Zone, donc c'est ça m'arrange. Donc j'espère que le son est bon par contre, j'ai pas contrôlé. Donc vous voyez que ici aussi vous pouvez acheter, vous avez de l'argent aussi en tuant, en récoltant, et tout en bas. Mais bon, un grand chargeur par contre ça m'intéresse. On va le prendre d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on pourrait lui vendre à elle? Ouais non bon. Va essayer ton nouveau jouet. Merci. Donc on appuie sur F, mode, et on rajoute. Ne fais pas perdre mon temps. Je crois qu'il ne fait pas perdre, qu'est-ce qu'il raconte. Voilà. On lui a mis un grand chargeur, donc... On fait ça. 226... Ouais. Mais par contre, on tire plus vite, donc du coup... On va essayer avec le M9. J'aime beaucoup le M9. M19, non? Allez, viens, il y a tout ce qu'il faut ici. Non, c'est pas ça que j'avais pris. Ouais. Donc le M19, donc j'aime beaucoup. Ouais, je refais une petite session et puis si je meurs, et ben, attention, on se quittera là-dessus. Non, après, dans la journée, je vous ferai le vidéo. Donc, parfois, il y a des petits malins, des renégats, ils se mettent ici. Là, j'ai le tour. Et ils vous spawn kill. Ouais, c'est pas vraiment du jeu, donc. C'est pas très fair plus de leur part, mais bon. Faut toujours des bébêtes partout. Hein. Il y a plus rien. Ah, il y a de la bagarre. Généralement, ça se passe souvent par là parce qu'il y a des trucs pour extraire. Extraction, moi bon, là, j'ai du mal. Extraction des objets, du coup on va y aller. Il y a un mec pas très loin. Ouais. On va essayer d'y aller. Niveau 6, donc j'espère que ça va aller. Oula! Oula!
coup, c'est des gosses là-bas. Généralement, faut attendre qu'il recharge la pompe canarde. Voilà. Voilà. Ah, mais les gars, vous me tirez dessus, puis après, hein. Peut-être taper très loin. Vous devez viser la tête pour le tuer un peu plus vite. Oh, on tâche ça tout de suite. Il est où? Voilà. Est-ce qu'il a lâché quelque chose? Ouais. On va essayer d'y aller, même si c'est un peu risqué. Donc vous voyez que je vais gagner, je gagne de l'argent aussi. Bon, c'est pas une... je vais pas aller tout de suite, c'est pas une bonne idée. On va essayer de se trouver un autre coin. Je vais me faire défoncer. Donc, dès que vous tirez sur un civil ou quelqu'un d'autre, vous devenez renégat pendant quelques secondes. Mais pendant ce temps, tout le monde peut vous voir, donc c'est assez chaud. Et les gens peuvent vous tuer juste pour récupérer ce que vous avez là. Vous voyez la petite, le petit sac jaune avec la radiation dessus. Les gens peuvent vous tirer dessus juste pour ça. Ouais, non, je vais pas dedans. Zone sécurisée, j'ai jamais été. Je vais essayer d'aller voir c'est quoi. Après, j'ai essayé de mettre le holster à l'abri. Bon, c'est chaud parce qu'ils sont plusieurs. Et je vais me faire niquer. Pas si utile. Vous pouvez juste appeler l'hélicoptère quand vous avez un OG. J'ai souvent eu le tour, moi. Je me suis fait avoir. Par contre, il y a peut-être pas moins du tout. On va essayer, mais ça va être risqué. Ouais, je vais me faire capoute, les gars. Ah bah ouais, je me suis fait avoir. Votre affiliation à la division et avait désormais le statut renégat. Ah, je voulais pas le tuer, désolé. Bon. Ah putain. Bon bah voilà. Je me suis fait tuer. Bon, c'était un holster usage, donc bon, c'est pas grave. Et bien je vais attendre. Donc j'ai fait 2 kills quand même. Même si j'ai pas fait exprès pour l'autre. Mais du coup voilà, vous avez vu un petit peu à quoi ça ressemblait à la Dark Zone. Du coup voilà, ça dure un peu plus longtemps quand vous êtes en tant que renégat. Du coup vous avez vu à quoi ça ressemblait.
Du coup, on va s'arrêter là-dessus pour la vidéo. Donc, ça fait une petite demi-heure, 40 minutes. J'espère que ça vous a plu, les amis. Laissez un petit j'aime, un petit commentaire. On finit sur une mort. Bon. Ah, c'est pas grave. Mais voilà, en tout cas, j'ai vraiment hâte que je sorte final. Du final. Mon avis, c'est que je suis très content pour l'instant de cette bêta. Il y a pas mal de choses. Ouais, vous n'allez pas vous ennuyer, en tout cas, j'espère. Il y a pas mal de choses à faire en équipe. Dans la Dark Zone et en solo, dans la map solo, donc voilà, c'est plutôt sympa. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un petit commentaire. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que la qualité sera bonne. Désolé, la carte graphique n'est pas assez puissante, du coup, c'est pas du 60 fps, mais bon, j'espère que ça vous plaira au minimum. Donc, merci à vous, les amis. Prenez soin de vous, à la prochaine. Et puis, on se retrouve sur une prochaine vidéo. J'espère que j'essaierai de faire la mission sur mission secondaire, donc sur The Division. Donc voilà, à la prochaine sur The Division, les amis. Prenez soin de vous, les amis. Et j'ai beaucoup, les amis. Puisque j'en ai pas, soyez mon ami, s'il vous plaît. Allez, salut. Peace!